Bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de notre Let's Play Icarus en coop et open world sur Styx avec Krios et Capo. Et aujourd'hui, on met en place les water wheels. Allez, en route. Alors, comment ça se place une water wheel? Si je me souviens bien, pour qu'elle soit dans le sens du courant. Attends. Il faut qu'elle soit à un endroit suffisamment large pour que ça ne dise pas colliding. Le moteur, il doit être... le courant va de gauche à droite, le moteur doit être vers la rive en face de toi. Le moteur, il est sur la rive... Le moteur sur la rive gauche. Vers toi. Moteur rive gauche, c'est ça? Attends. Si le courant va de gauche à droite, le moteur, normalement, si je me souviens bien, tu as la roue, tu as un moteur et tu as une plateforme. Plate. Le moteur doit être en face. Il doit pas être vers toi, il doit être de l'autre côté. Oui. Pour que ça fasse, pour que ça fasse un peu RP, quoi. Sinon, ça tourne dans le sens contraire du courant, ça fait con. Oui, ça marche quand même, mais c'est juste que c'est moche. Ouais, c'est pas beau. C'est. Tu me le poses comme ça, je vais la voir, je vais la retourner. Putain, donc je peux le poser n'importe comment et tu les mettras dans la... Tu mettras au bon endroit toi-même. Ouais, si tu veux, ouais, je peux le mettre. Je rigole. Non, ça me dérange pas, tu sais. Je sais que ça te dérange pas. Moi, je rigole. Ah, j'allais dire. Oh. T'allais dire où? Mais non, mais je suis une grotte, y a pas de. De saloperie. Mais y'en a qu'une. Ah, par contre, ce qui fait pas RP, c'est que c'est pas très enfoncé dans l'eau. Oui. Là où je l'ai mis. Parfois, ouais, c'est... Non, je vais tenter de... un petit peu plus bas pour voir si ça fait plus... Là, ça me dit colliding. Là, il veut bien. Et là, il veut bien. C'est tout pareil. Bon, c'est comme ça. Il y a un vent normal. Ça fonctionne, du coup? Ah ouais, ça tourne. Et ça va nous attraper des éponges automatiquement. Ouais, il faudra penser à les nettoyer. Si on les quand on les nettoie, on récupère des éponges, si j'ai bien compris. Éponges et ce qui sert à faire du compost. Et ça, c'est cool. Tu as fait la pâte à carbone, du coup? Ouais, c'est dans le four. Ah yes, et même fondu. Il fallait, je crois, 20 cuivres, 8 or pour chaque. Ok, la galère, ça va être le cuivre. Prépare tout de suite les outils de les deux outils. L'electricity tool et le water pipe tool. Alors, electricity tool. Qu'est-ce qu'on peut alimenter électriquement? Je dis ça, mais on n'a rien à alimenter pour l'instant. Bah, si tu veux brancher tes moulins, tu seras obligé. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut brancher pour l'instant? Il n'y a rien qui demande de l'électricité. Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent plus vite à l'électricité? Non, c'est Calou. Donc, ce qu'on voudrait maintenant faire, c'est une water pump. 4 électroniques. 20 concrete mix. 16 vis en acier. Donc, les vis en acier, il faut 25 lingots. Enfin, ouais. 25 lingots d'acier. On va faire. Quelques vis. Voilà.
Je te pose dedans. 20 de béton. Qu'est-ce qui va manquer? Des cailloux. Et du trisap. Mais le trisap, ça va. Les cailloux, ils sont là. Il va falloir qu'on aille chercher du cuivre. Hein. Sap. Et du coup, combien j'avais dit d'électronique ? 4. 4 électroniques. C'est-à-dire 4 d'or et 12 de cuivre. Je pense que je peux... Oula. Oula. Il reste 9 de cuivre ici. Ah, il y en a là. À fondre. Ouais, le gros problème, c'est le cuivre. Est-ce qu'il m'en manque 3 pour faire... C'est bon, ils sont arrivés. Là, on a déjà 31 ici, c'est bien ça. Yes. Donc, il va me falloir 8 organic résine, 8 époxy. Organic résine. 8 époxy. J'avais dit 4 or. Et normalement, le compte est bon pour 4 électroniques de plus. Cool. Juste les 20 de béton. Ils seront là dans 30 secondes. Et après, au moins, on pourra raccorder en flotte la bétonnière. Qu'est-ce qu'il y avait qui avait besoin de flotte aussi? Il y avait un autre truc, non? À part les cultures, je vois pas. Il y avait l'évier ? Non, on n'a pas d'évier. Pour l'instant. Water pump. Yes. Must be placed in water. C'est pas de l'eau, ça, pour toi? Ah, ça, c'est. Ok. Tu veux que ça soit ici. Où est-ce que je le mettrais? Peut-être sous le pont, là. On sait bien. Alors.
D'où capot du Teroku. Ouais. Capot n'en peut plus de ses... de ses lags. Du coup, il nous les partage en se reconnectant. Ah, désolé. Oh, t'inquiète. Oh, on a l'habitude. Je comprends pas ce qui se passe. Attention, il y a des bestioles qui attaquent nos bestioles. Ah non. C'est un cerf. Yes! Est-ce que je peux encore faire le troll? Où est la bétonnière? Elle est là. Je me glitch dans le sol pour faire un raccordement propre. Oh, j'ai un deuxième gisement de cuivre. Aujourd'hui, j'arrive plus à parler décidément. J'ai un deuxième gisement de cuivre. Ah, ça pourrait être intéressant. Et pour ça, il faudrait refaire de l'électronique. Il faut donc d'abord récupérer du cuivre. Bah justement, c'est ce que je suis en train de faire. Yes! J'ai raccordé la flotte à la bétonnière. Elle est contente. Du coup, ça mettait 10 secondes pour faire du ciment, maintenant ça met 4 secondes, ok. Ça marche comment, du coup? En fait, t'as un outil de câblage et tu tires des tuyaux. C'est comme avec l'électricité, sauf que t'as un outil flotte. D'accord, ok. Il est visible, le tuyau, du coup, quoi? Ouais, viens à côté de la porte, où es-tu? Non, mais je vois le tuyau, non, c'est bon, je le vois. Ok, et où? Je suis dehors. Je suis en train de suivre le tuyau jusqu'à la rue. Ah, ça c'est l'électricité. Ça c'est l'électricité, d'accord. Oui. Parce que la pompe, je l'ai pas mis là-bas. La pompe, je l'ai mis sous le petit pont. Sous vers la cuisine. Sous le petit pont, d'accord. Ah oui, effectivement, d'accord. Et du coup, là, t'as le tuyau qui passe, que j'ai fait passer sous la maison. Et du coup, il remonte directement dans la bétonnière. Je pense qu'on le voit. Cool. Je devrais même pas le voir. Si je me faisais une torche, je pourrais y voir. Je vois pas le tuyau. Hein? Et quand on se met sur la bétonnière, ça me met bien sur le côté que c'est qu'il y a de l'eau qui arrive. Ouais. Et je voudrais voir par où est-ce qu'il passe le tuyau, parce que je l'ai fait arriver par en dessous histoire qu'il se voit pas. Je sais pas où il se connecte parce qu'on le voit pas. Si, là, juste à côté. Sur le côté gauche. Ouais. Au niveau du sol, là, on le voit. Ouais. Un petit truc au niveau du sol, c'est tout. C'est nickel, ça.
Impeccable. Il y a CD à la... Il y a quoi que tu peux raccorder d'autre, là? Pas la fournaise, a priori. Ce qui est très étonnant. Il y a le banc de maçonnerie que tu peux raccorder. Ah bon? Oui. Si j'avais su, je l'aurais raccordé plus tôt. Le composteur de biocarburant, il peut être raccordé aussi. Ah bon? Ouais. Ah, il suffit de se mettre dessus, t'as le petit logo à côté. Mais je savais pas qu'il pouvait se raccorder aussi. Alors. Voilà. Lui, il est raccordé. D'ailleurs, il a besoin de bâtons. Je vais lui mettre des bâtons pour le voir aller plus vite. S'il peut nous faire du biocarburant plus rapidement, c'est bien. Plus rapidement ou plus efficacement? Je sais pas si c'est plus rapide ou plus efficace. Non, c'est pas plus efficace. Ah non, c'est processing speed, c'est écrit dessus en plus. Par contre, ça demande 100. Ça demande 250. Combien ça fournit la pompe? Ça le dit 1000 ou pas? Il me semble, non? Oui, ça fournit 1000, ouais. Non, oui, c'est 1000, c'est ça? Oui, c'est 1000, c'est ça. Je ne sais plus. Par contre, j'aurais besoin d'un de vous deux pour venir me décharger. Le décharger? Ouais, ouais. Non. Je suis plein. Where are you? Je prends bip bip et j'arrive. Ok. Ah, je regarde où t'es déjà, effectivement. Ah, si tu sais prendre aussi un antibiotique. Parce que j'ai utilisé les deux miens. J'en ai. T'as des pilules antibiotiques hein, maintenant, c'est plus efficace et toi, tu les as prises? Non, je suis parti parce qu'il m'en restait encore des antibios et je suis... Mais le russe, il dit qu'il en a, mais je sais pas si c'est des pilules ou... Non mais il est en dehors, j'ai juste un antibio pour lui virer la... D'accord. Ouais, la pneumo, c'est tout. Ok. Tu veux que je mette un point sur moi? J'ai mis un point sur toi tout à l'heure, donc... Là. Et tu l'as trouvé loin, du coup, ce gisement de cuivre? Il est dans la grotte, au fond de la grotte. Ok. Voilà, la grotte est finie. Ah, t'es dans la grotte, là? Ouais, là, plus maintenant, je suis devant. Je vais mettre mon point dessus comme ça si on la cherche. Et je viens à ta rencontre. Il y a un escarpement. C'était au-dessus de l'escarpement ou non? Non, tu continues. Continue la paroi. Ouais, mais bip bip. Vraiment le long de la montagne. Il manque d'endu des fois. T'es pas allé avec ton bison? Non, parce que je partais chasser à la base. Alors, il y a un jaguar qui est juste à côté de moi. Pas loin de toi, donc. Attends, t'es où? Ouais, on est juste allé à un côté, là. Stop. Attends, mettre un peu de lumière. Et ensuite. Vas-y, balance. C'est juste de quoi me vider un petit peu. Non, mais tu peux y aller parce que de toute façon, moi je vais remonter sur Bip Bip, donc peu importe mon surpoids. J'ai ma pioche qui me permet d'avancer, même si. Ah, par contre, non, j'ai plus la place. Ok, là, je reprends. J'en ai mis dans mon. Et si tu as l'antibio? L'antibio, s'il te plaît. Ah, bah attends. Oui. L'antibio. Attends, inventory. Ah bah je peux pas splitter, je vais te le passer. Tac. Je te passe tout le stack.
Du coup, ouais, non, je vais rentrer et j'irai chercher encore du cuivre après. Fais gaffe, le long de la paroi, là, il y a... Ouais, bientôt, ils veulent plus avoir. Y a plus. Ouais. J'ai vu passer un message, l'Arquel Martinez Aro, plus une. Encore ? C'est toi qui les ramasses, en fait. Ouais, j'en ai deux sur moi, là. Ouais, bah, c'est bizarre. J'ai des bugs aussi, tantôt je tire sur un loup et c'est le bison derrière moi qui s'est pris la flèche. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est original. T'as mis la télécommande sur, enfin la chercheuse sur les trucs, mais il a pas cherché. Ah mais bon, ouais, mais t'imagines si c'est en urgence je tire et que c'est la bestiole derrière qui chope le truc, c'est pas pratique. C'est pas super pratique. Ça dépend de la tronche de bestiole qu'il y a devant. En tout cas, par contre, ce qui est très pratique, c'est que tu ne peux pas perdre tes flèches, c'est moi qui les récupère. Ouais, ça c'est très pratique. Le gardien des flèches. Sauf que ça me bouffe une place dans mon inventaire. Une histoire. Et j'ai un petit artefact sur l'écran, c'est très bizarre. Ah, c'est des tuyaux! J'ai les tuyaux qui sont affichés depuis là où je suis. Ouais, leur dernière match, la foutu le bras. Il y a aussi un puma quand tu rentreras à la maison. Ouais. Je crois que sur votre route, j'ai tué deux dragons de Komodo et un ours aussi. Bah, je fais surtout ça pour les os. Pour récupérer... Non, t'as raison. Tu peux même faire ça pour la viande, hein, parce qu'on en a besoin pour faire du biofuel. Oh, ok, ouais. C'est ouais, très chiant que je supprime. Voilà. Il faut que je resélectionne l'outil pour que ça m'enlève le highlight dessus. Alors, on avait dit en priorité le cuivre. On a filé 50 de cuivre. Oui, parce que j'en ai encore sur moi. J'en ai encore 85. Oh, du platine, on est blindé. Et j'en ai... plus sur moi. Si, j'en ai encore 35. Et j'ai de l'aluminium, le titane, je te l'ai filé. Et sinon ça... Il faut que je laisse un peu de place pour que ça puisse faire les lingots. Ok, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on... voulais faire après ça. Oui, c'était là, au final, là. Electric Furnace, 60 électronique. Et matériel processeur, 60 électronique aussi. Donc, 120 électronique, ça veut dire 360 cuivre. 360 lingots de cuivre. Ce qui veut dire 720 minerais de cuivre. Est-ce que tu ramènes 720 minerais de cuivre ? Ouais, bien sûr. Ah, cool. Divisé par plus de 10. Donc, c'est pas pour non, tout mais de suite. Je vais dire qu'on va dormir et j'irai en rechercher, t'inquiète. Parce que aussi, j'y vais avec le bison. Oui. Il n'y a plus trop la place. Ouais, du coup, ça va attendre un petit peu. Attends, je vais enlever du fer. Mettre dans le mortier en dessous. Est-ce que t'as la place de remettre de te vider? Alors attends. Hop. Bon, Là je mets le cuivre en priorité, hein, t'as dit. Ouais, cuivre en priorité. Le charbon, je l'ai foutu là, il me semble. Ouais. Je vais te reposer tes Larquel Martinez à nouveau dans la crafting bench. Ouais. Ça en fait 4 dans la crafting bench à toi. Je mets le platine et l'alu aussi dans le... Ah, monsieur Capou, il se fait dans des flèches en flint. Nous, on s'embête à miner de la ferraille. Je vous ai pris 50, je vous en ai mis 50 et quelques, avec des plus 2 de dégâts, si vous les voulez. Moi, je m'en suis fait en plus 5 de dégâts. Le biocombusteur, il est là. Et est-ce qu'il tourne?
50 minerais de fer, c'est rien. Le fer, c'est ce qu'on trouve le plus facilement, quoi. Ah oui, mais sauf que les ressources sont pas infinies. C'est vrai qu'on a un petit stock maintenant. Maintenant, oui, non ? Oui, maintenant, avec le nouvel outil. Avec le. Comment il s'appelle déjà ? Je l'ai vu tout à l'heure. Juste. Attends, je l'ai vu. C'est le. Morteleur. En français, c'est morteleur. D'accord. Ouais. Dans la langue de Shakespeare, c'est le. Thumper. Ouais, Thumper. Thumper. Le truc qui tape. Ouais. Le frappeur. Oh putain, ça. Ah, et les hydroponiques croque-plottes qu'on pourra faire quand on aura les composites. Mais c'est pas pour tout de suite. Les lampes, c'est avec les composites. Ah, il y a les flashlights qui demandent juste deux d'électronique. Juste. Voilà. Oui, ils ont fait un composite dropship recall beacon. Ah, parce que... Non, oui, c'est le dropship, c'est pas le truc pour les exotiques. Ok. Tout va bien. Deep mining ore scanner qu'on n'a jamais fait. La titanium crossbow. Le beacon, ça pourrait être pratique, mais c'est 10 électroniques. Donc 32 cuivres. Dit pour marquer les endroits où on a posé des extracteurs. Ouais, ça peut être pratique ouais, pour ça. Ouais, ça peut être pratique, sauf que tu bouffes 32 cuivres juste pour faire un point sur la carte, quoi. Ah oui, puis en plus, t'as besoin de 20 composites. Alors que la composite paste, c'est de c'était or ou platine avec oui, il faudra garder un peu d'or parce que la composite paste ça se fait pas avec du lingot, ça se fait avec du minerai. Bon, heureusement on en produit. Bonne nuit. Ouais, je suis joli, j'arrive. Ah bah c'est toujours tout qu'on attend, hein. Oh, je suis le premier couché d'habitude. Là t'es pas le premier couché, hein. Capot, viens te coucher. Ah, c'est bien. Bon, moi, je suis vide. Je prends de la bouffe. Ah oui, les pilules, c'est là-bas. Ah oui, il faut que je reprenne des... Et la pilule, elle prévient, c'est ça ? Elle guérit et elle te protège. Ouais. Bon, donc c'est à prendre quand même que au moment où... Je prends la moitié. Tac. 5. Et je vais faire pareil pour le poison. Tu prends pas la pilule ? Vous avez de la bière aussi. Vous voulez de la bière, prenez-en. La bière, c'est à côté. J'ai les bocaux, tenez, je vous en mets là, des bocaux de carottes marinées aussi. J'ai pas vu la. Ah si, elle était là, la bière. Ouais, ça spoil pas ça ? C'est bien. 150 max stam. Ah oui, c'est que la stam ça. Carotte marinée, ça vous remplit l'estomac, enfin ça remplit un truc d'estomac, mais ça vous donne 150 de nourriture. Et ça vous rajoute 150 d'endurance max, 20% des dégâts et 20% d'expérience. Mais ça rajoute pas de vie. C'est dommage. Non, ça guérit. Et pareil pour la bière. De la stam que de la vie. C'est pas l'avenir. J'aime bien. Ouais, oui, voilà, j'aime bien avoir un peu les deux. Je sais plus le. C'est pas le ragoût qui était. Le curry de poisson plutôt. Excuse-moi. Le ragoût, je voulais dire curry. Curry de poisson, 225 de vie. Mais sinon, t'as le tonique d'amélioration de santé pour se guérir la plus 100 de santé. Oui, mais il faut y penser pendant que t'es. Pendant que t'es blessé. Bah, faut pas le zapper. Non, mais prends-en dans l'armoire. Ouh, ça commence à être un peu ricrac là-bas. On va peut-être faire un.
Ça te rajoute 300 de régénération de santé en plus, le tonique. Peut-être potentiellement 300%. Faire un tour chercher de la neige, un de ces quatre. On n'a plus des tonnes. Une petite marge, mais il n'y a plus des tonnes. À 4 frigos, ça part vite. Bon, je vais tester ta carotte parce que elle avait l'air bonne. Les salades de fruits, elles sont équilibrées. Elles font plus 75 de santé et de stam. Après, c'est vrai que tu fais une carotte pour la stam, plus un curry pour le... Pour la vie, t'es bien. Et si tu veux combattre, tu prends une... Tu te prends une oui, potion de santé. Tu te prends une potion de santé qui te régénère très vite la santé et qui t'en donne en plus, qui te guérit. C'est top. Oui. Pour 100% de régénération de santé, c'est efficace. C'est clair. Je vais voir où est-ce que... S'il y a besoin de nettoyer déjà les... Ça commence à s'encrasser toutes les 5 minutes. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!